Bonjour, je m'appelle Isis Figaro, je suis professeure à l'école des danses latines tropicales. Nous allons voir les bienfaits de ces danses sur notre corps, mais aussi sur notre esprit. Bouger, nous disent les spécialistes de la santé, mais bouger en s'amusant, c'est mieux. Les danses latines tropicales permettent de brûler des calories, mais aussi de se muscler. De se muscler où ? Les jambes, les abdominaux, les bras, puisque tout travaille en danse latine tropicale. Les mouvements de rotation répétés, notamment en danse africaine, en reggaeton, permettent de pratiquer les abdos fessiers en dansant. Lorsque, par exemple, en samba, vous checkez le haut du corps, comme ceci, vous êtes obligé de contracter les abdominaux et puis vous avez vos bras qui sont dans une position qui correspondrait à lever des petits poids. Tout simplement, ça permet de muscler les bras. Les bienfaits des danses latines tropicales sur le mental, sur l'esprit. Eh bien, il s'agit de transformer ce fameux métro, boulot, dodo, comme on peut, en métro, boulot, bonne danse et bon dodo, parce qu'on dort mieux après. Après un voyage, puisque lorsque vous venez participer à un cours de danse latine tropicale, vous voyagez. Eh bien, cette évasion vous permet de mieux dormir par la suite. Les bienfaits physiques lors de la pratique d'un sport sont bien connus. Mais réussir à allier les bienfaits physiques et mentaux grâce à la pratique des danses latines tropicales, c'est vraiment formidable. Les salseros, les pratiquants des danses latines tropicales, vous en parleront avec conviction. C'est vraiment exceptionnel. Par exemple, pédaler. Hein, on est sur son vélo, on pédale, ça fait du bien, mais on souffre. Courir, ça fait du bien, mais on souffre un peu. Eh bien, en danse latine tropicale, ce n'est que du plaisir. Nous avons du plaisir. Avant, on se prépare, on se fait beau, puisque on va rencontrer les autres de très près. Donc on a du plaisir avant, pendant et après. Vous savez maintenant quels sont les bienfaits des danses latines, à la fois sur le corps et l'esprit.